Tous ces moyens. Allez, avancez. Ne faites pas la valise. Un petit cul, un petit cul. Un bon petit cul là. Je pleure. Menottes ou sans menottes? Moi qui te pète les menottes. Boum! Avec menottes! Alors! Ah. Vas-y! Nuki, fais ton plaisir, vas-y! Vas-y! Bah, suce-le alors! Suce-le! Comment tu as suce-le avec. Mais c'est un délit! Oh, oui. En Allemagne, c'est pas un délit hein, de brûler, t'as capté, clin d'œil! Oh mon dieu, mais c'est horrible ce que vous dites! Ça toi! T'as capté! Du coup, t'es le principal suspect vu que t'étais sur place! Principal témoin, principal suspect. Ouais, vas-y, mais note-moi alors. Il est bien fini. Vas-y, quoi, tu crois que je suis un tueur, moi? Salut. Juste pour vous dire qu'on a reset la whitelist du serveur. Ça veut dire qu'en gros, toutes les personnes qui avaient été refusées définitivement la whitelist peuvent retenter leur chance. Et même les nouvelles personnes qui veulent essayer un petit peu ce serveur. N'hésitez pas, le lien du Discord est en description. C'est mardi, à tout de suite. Ouais, je m'émette, ça va ou quoi? Ouais, Jojo, ça va et toi? Putain, t'es où, boy? Je suis parking central et toi, t'es où là? Putain, mais j'arrive, je vois carrément ton petit cul d'ici. Arrête de voir mes fesses! Ouais, je les vois partout, je suis désolé, boy. Je vois ce que tu veux pas dire. Allez, j'arrive. T'es obsédé par mes fesses. Ouais, et pas que. 3 points de suspension. Vas-y, je t'attends. J'arrive. 3 points de suspension. M'émette! Ouais, sors-moi ton plus beau véhicule et je te montrerai le mien, c'est bon? Le plus beau, hein? Vraiment le plus beau! Le plus beau! Plus rapide ou plus beau? J'ai dit le plus beau! Je veux un 10 sur 10, quoi, t'as capté? Ok, vas-y, bouge maintenant! T'es même pas prêt, boy! Allô? Boum! Mais c'est un cadeau de Noël, ça? Ouais, boy, t'as capté? Ouais! Ouais! C'est clairement moi le cadeau! T'as vu comment je suis bien emballé? Incroyable, mais c'est quoi comme voiture? C'est une clique. Tu cherches pas une dynastie? J'en vois une. Bouge de là. Ouais, y'a un fantôme dans ta voiture, hein, boy. Wesh, le fantôme. Ouais, tu vas vite descendre, boy. Attends, c'est Cax. C'est Cax, le fantôme. Allez, monte, monte, mais monte. 22h15, faut église. Vas-y, j'arrive. Y'a quoi? Vas-y, Olena. 22h15, mariage, faux mariage, ok. Où ça? Del Perro, église. À tout à l'heure. 22h15, ça va, dans le ouais, temps, bon, non? Ouais, c'est bon, on est large. 22h15, Del Perro. T'as le temps de faire un braquage et de tuer au moins deux mecs. Tu veux tuer qui? Vas-y, moi, Junior, je l'ai croisé tout à l'heure. Vas-y, je vais l'appeler, Chichi. Alors, t'en penses quoi? Combien sur 10, ma voiture? En vrai de vrai, je mettrais un 7 sur 10. Quoi? Ouais, mais parce que c'est pas une 5 portes. Putain, c'est ton côté algérien, ça, qui ressort. Non. T'as la haine. Non. Comment ça, j'ai la haine? Mais t'es un malade, quoi. C'est toi, t'as la haine parce que c'est une 2 places. Vite teinté ou pas? Ou sans? Non, ça, faut bien qu'on voit les Pères Noël. Oh là, j'aime bien. Merde, il est où? Ça va ou quoi, Gigi? Attends, c'est lui là-bas, c'est lui. Ah, c'est bon, on est derrière. Ouais, Junior, ça se met bien. Ah, j'ai fait mon quota. Putain, c'est quoi les boys? Vous l'avez démonté, vous l'avez démonté. Ok, le style est la caisse. Voilà, Junior, il l'a graissé sur la coaching. Mets de la barre, c'est bien. Il est sur mes doigts. Allez, salut, filma. Junior, on a invité un mariage. Hein? T'as un mariage? Ouais, un mariage, 22h15 apparemment. Je sais pas, c'est une petite là, haut les mains. Haut les mains? Ouais, la CSP, je se marie avec un flic apparemment. Tu viens, celle avec qui tu voulais lui couper les cheveux? J'ai voulu. Haut les mains, le Weasel. Ah, le Weasel News. Son Goku. Ah oui! Ok. Ah, tu maries? Ouais. Ouais, à quel âge? 16 ans. Celle qui parle comme ça là? Ouais, c'est ça. Moi, voir, ouais. Privet. Attends, je vais l'appeler. Non, mais ils ont niqué ma moto. Non. Oups alors. Oh les mains, ça va ou quoi? Vas-y. Tada, faut que tu viennes à l'église de Del Perro pour 22h15, on va faire le blague. Ah ouais, c'est avec le flic là? Ah là, il y a tout le commissariat, ils sont courants et c'est tout. Chaud. Vas-y, j'arrive avec mes boys alors. Attends, venir avec tout le monde, ça va être incroyable. Vas-y, on fait comme ça alors, à tout à l'heure. Si t'as vu, à tout à l'heure. Vas-y, Junior, viens. Ouais, t'inquiète. Putain, lui, attends, c'est Hitman ou quoi? Ah, lui, il attend pour un entretien. Attends, c'est la prochaine cible, là, je crois. Objectif principal. Ça fait 20 minutes, il est posé là-bas. Ça va quoi, Junior? Ça fait longtemps. Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille, là, ça raconte quoi? On est là, tu connais, on travaille. Ça taffe, hein? Ouais, on s'attaque. Ça baise un peu ou pas? Non, même pas. Ouais, c'est ce que je me disais. Ton caleçon, il pue le sperme, c'est chaud. C'est vrai que. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça sort, lui, ça. Wesh! Alors, Junior, caresse la petite cuisse là, ça raconte quoi? Arrête! Putain, pourquoi je monte avec toi? Bah, je sais pas. Maintenant, t'es piégé, t'es avec moi. Ouais. Alors, autant prendre un peu de plaisir, toi et moi, t'as capté? Ah ouais? Eh ouais. T'as des meufs en ce moment, t'as des boys, qu'est-ce qui se passe? Qui suce qui? Non. Quand? Où? Comment? Ah, et on ne suce pas. Ah bon?
Oh, faut que je te présente un petit boys, c'est un Allemand, un ancien nazi. T'es un fou? Je te jure. Un ouf? Tu veux que je fasse quoi avec lui? Je sais pas, du sale. Mais non. C'est un Allemand et en plus un nazi. Quoi? Attends, y'a un souci là, non? Ah, c'est bon. Oh, mais c'est la voiture de Lema. Ouais, tu sa mère cette voiture aussi. Attends l'alarme ou quoi? Non, je n'entends pas. Putain, il pleut mon brushing. Ouais, t'as des rastas, mon frère, je prends de brushing. Ouais, mais je parlais pas de mes cheveux. Ah. Wow. Oh ouais. Putain, elle est belle. L'église? Non, oh, les mains. Ah. Eh, je crois que je vais la ken. Hein? Dans la saison, wesh. La saison, wesh, tu vois. Non, hors taxe, 16 ans, mais 22, ah, TTC. Ah ouais, c'est vrai, désolé. Putain, eh, oh les mains. Je retire tout ce que je dis, t'es super belle. Très vite. Très vite. Eh, vous avez vu, Ouais, clairement, là, je juge clairement sur le physique. Putain, j'avais jamais capté ta paire de boobs et tout, je suis désolé. Ça marie avec toi? Bah, Niette, je suis son frère, jumeau. Ah, va se marier. Tu te maries avec qui? C'est quoi Twitter? Attends, parce que je t'explique. En gros, il y a quelqu'un que j'embête depuis toujours, d'accord? Et l'autre jour, je l'ai fait chier, j'avais dit, ok, si je perds la poursuite, on se mariera jamais. Si je gagne la poursuite, on est obligé de se marier. Parce que cet enfoiré, il a perdu deux fois la poursuite. Pourtant, j'ai laissé une chance, d'accord? Il a perdu. Du coup, là, j'ai fait un mariage, mais c'est un faux mariage. À la fin, on va lui dire que ça en prend. S'il a encore envie, hein? Ah, ouais. Soit il va faire un demi-tour. Ah ouais, il va faire un malaise, hein, je crois. Il va clairement faire un arrêt cardiaque. Il est le prêtre. Il arrive, c'est 42, il va racheter un prêtre. Quoi? Il a acheté un prêtre. Oh, pas de gospel là. Pas de gospel apparemment. Pas de gospel là. Oh happy day. D'accord. Happy à tout à l'heure. Oh happy day. Where is the world? Where is the world? Ma belle là. Ma belle là. Oh ouais. C'est un mariage, c'est une guerre là. C'est le début d'un film, ça? Oh, c'est... Attends, tu prépares la guerre là ou quoi? Putain! Mais c'est la musique de mariage! Bah, on peut dire qu'un mariage c'est un peu une guerre en vrai. Ouais, ça dépend. Ouais. Oli, putain, la guerre, mon pote! Ah bon? Pas dit que j'étais mort et que je te griffe! T'as pris vite! What? Eh, t'es un mec sauvage ou pas toi? Ouais. Genre, tu griffes, tu mords? Non. Quoi? T'es pas un mec sauvage alors? Il se fait griffer! Ouais. Ah ouais, putain! Ouais. Ah bah, tu le fais pas! Eh, pas de gros mots dans une église, ouais, t'es folle ou quoi? Tu vas te marier, wesh. Oh, pas adopté qui m'avoir déjà abandonné, cet enfoiré, hein? On est dans une église. Aïe. Putain, elle bouge pas ta robe, hein. Putain, elle est costaud, hein. C'est une église, alors. C'est une robe portugaise en béton armé. Il m'a même pas encore adopté, ma... Qui c'est? C'est qui? Venez. On dirait la mafia, boy. Ah, c'est les sages dits. Ils font peur. Prévet. Wow. Attends, y'a Darren. Ah, y'a Darren. Merci d'être venu. Darren, il est ton berger allemand. C'est de nous avoir. Ah, Julien, c'est Darren, le mec qui se fait baiser par son berger allemand. Merci, Darren. Oui. Ah oui. Pour ça, je dis le ton berger allemand, tu l'as pas ramené. Voilà, Darren, alors toi, t'es le meilleur. T'es un bon, franchement, t'es un bon. Non, merde. Genre, c'est VIP ici ou quoi? Quoi? Il y a qui? Il y a Hans. Jure. Attends. Ouais, il est là, Hans. Putain, faut que je le présente, Hans, c'est un bon. C'est qui, Hans? Vraiment, Lex nazi. Non, mais t'es un ouf. Un ouf. C'est un ancien nazi, c'est un bon. Allô? Allô, Hans, ça va ou quoi? Non, ça va pas. Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui se passe encore? Parce que je vous ai vu, je ne veux pas vous voir. Bah non, tu m'as pas vu. Si, vous étiez devant là. Bah non, je suis en haut. À droite, comment ça, en haut? Chapeau. Bah, là, je suis VIP. Bah, viens à l'étage, c'est pour les VIP, viens, mon gosse. Oh, mais je ne suis pas VIP. Bah, moi, je te fais rentrer, t'inquiète, j'ai le bras long. Oh mon dieu, bon, d'accord. Vas-y. La meuf en violette, elle est trop fraîche. Ah ouais? Mais c'est un mec. Ah ouais. Hein? C'est un mec. Comment ça, c'est un mec? Bah, c'était une ancienne meuf, elle a fait la mise à jour. Hans, ça va ou quoi, mon beau gosse? Ouais, ça va. Ok, je te présente Junior, je te présente Hans. Je connais Junior, peut-être que... Bon, ouais, non, c'est pas moi. Ah, d'accord, autant pour moi. C'est vrai, monsieur, vous étiez un nazi? Je ne veux... Non. Commencez pas, mais arrêtez. Un ancien. Non, okay. Non, mon papy avait participé, mais moi non. Ah, il a bien participé, sa mais mère. J'ai 26 ans, ouais. Je ne suis pas né pendant cette guerre. Ah, ouais. Mais vous êtes 26 ans, vous êtes déjà marqué par la vie, hein, monsieur, sans vous offenser. Hein, bien je ne vous permets pas, monsieur. Sans vous offenser, bien entendu. 26 piges, ah ouais, j'avoue. Putain, on dirait que t'es pris un train dans la gueule, c'est chaud. Mais arrêtez, c'est pas sa physique. Quoi de beau, quoi de neuf aujourd'hui? Ça dit quoi? Que des problèmes. Bon, mais j'ai une dette de 3 000 $, je suis vraiment dans la... Quoi? Pourquoi? Il m'a rendu ma montre que papy avait volé à un ancien soldat qui m'avait offert. Ton père, putain. Mais
Je connais un pote à moi, il peut vous aider. Hein. Ah, pour rassembler la somme? Et oui. Oh, mais papa m'enverra de l'argent. Ah, bon. Parce que sinon... Ah ouais, ouais, ton père... Non, j'avais quelqu'un. Ah bon, tu connais de la mec qui a de l'argent, toi? Ouais, pour son cul, il aurait donné de l'argent. Ah ouais, je vois de quel type de pote tu parles. Ah bon, vous avez quelque chose à me proposer? J'ai vraiment besoin. Bah ça dépend. Clairement, ouais. Oui, ouais. Dites-moi, quelle est cette personne? Présentez-la moi. Bah c'est moi. Voilà, baisse ton pantalon. Oh. Pour 3 000 $ et une sodomie, c'est réglé. C'est bon. Baisse ton pantalon, baisse ton pantalon. C'est bon, bien. Allez, viens. Reste là. Arrêtez. Bon, tranquille, ça va se passer. Chaque fois que je suis avec vous, il se passe mais des choses. Mais c'est rien, oh, mais non. T'inquiète pas, ça va bien oh, se passer. Merde, attends, j'ai oublié. Dans une église, on peut pas faire ça ici, c'est chaud, désolé. Pardon, Dieu. Pardon, Dieu. Attends, mais il y a les cops où je rêve. Putain. Oui, c'est mes amis. Quoi? C'est des connaissances. Infiltré ou pas? Et bah, Capitaine 42 est une bonne connaissance. Et il m'a mis un petit peu dans la muse, lui. Je le retiens. Ah bon? Et oui. Ah, elle est belle, hein? Oh, Léna, je te jure, ça change un peu. Elle a 16 ans. C'est suite à capuche, là. Est-ce que quelqu'un a pensé à appeler laquelle? Et prévoir ce suicide? Parce que là, je pense que... Venez, venez, on descend. Ça parle de suicide, j'aime bien. Repos, messieurs, repos. Alors, pas le manager. Vous êtes ici pour assister au faux mariage de Oléla et sa conduite, d'accord? Il a perdu, il doit se marier avec moi, sauf que je suis mineur, je ne peux pas me marier. Mais comme ça le mentionne, on va lui faire une grosse blague. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc il y a sa conduite, il va arriver avec 42, il n'est pas au courant de tout ça, d'accord? C'est un gros prank, c'est une grosse blague. Je ne vais jamais me marier. Bref, je vous explique. Donc on va faire vraiment comme si c'était un mariage. Venez tous faire des discours et tout. Vous dites n'importe quoi, on s'en fout. Le but, c'est qu'il y croit jusqu'au bout. Après, on va sortir, d'accord? On va aller devant l'église à la fin du cérémonie. On va faire une photo de groupe pour avoir des souvenirs. Et en deuxième photo, on va faire un déco genre 3, 2, 1, vous êtes prêts? Et à ce moment-là, on va tous dire en cœur, c'était un prank 58. Et à ce moment-là, le pauvre, il va se décomposer. Tout le LSPD, tout le monde est dans le coup, vous allez voir, ça va être très, très marrant, le pauvre. Attends, juste une question, il y a un placement de produit, il y a un budget, il y a quoi? Il y a juste la participation de 42, t'inquiète, c'est tout lui qui paye. Vas-y, bah c'est bon alors. Mais avec la fémuse, ça c'est une course. Je peux la faire à l'orgue alors. Vas-y, moteur. On les nage ça, c'est tout. Moi j'ai peur. Attends, c'est la guerre ou quoi? Attends, mais c'est la guerre là. Ça c'est mieux ça. En fait, si j'ai bien compris, c'est un mariage pour se foutre de la gueule du flic. C'est ça, c'est ça, tu comprends. C'est ça, gros, d'accord. Il y a du budget pour cette blague quand même, hein. Il y a du budget, il y a peut-être un suicide. Il y a peut-être un suicide qui va arriver à cause de ça, donc bon, au moins. Non, il n'y a pas d'église. J'étais à l'unicorn. J'étais à l'unicorn, il a dit. Non, le vent, non, le vent. J'ai pas vu de retirer votre vent. Il veut pas venir, je vais m'adresser. Félicitations, bravo. Voilà, voilà. Monsieur de la ville, tous ces moyens. Allez, c'est bon, ne faites pas. Un petit cul, un petit cul. Un bon petit cul, là. Bravo. Je pleure. Putain, c'est un bon, j'en étais sûr. Franchement, beau gosse. Putain de beau gosse. Félicitations, hein, personne l'a volé. Beau gosse. Eh, pour 58, Ibibi. Bravo, Zen Lynchen, bravo! Bravo, bravo! Le biscuit, la vie, le biscuit! Ah, Zeltoff! Félicitations! Je suis fini, le prêtre il arrive pour vous marier pour de vrai! Je suis même pas consentant! Mais si, t'es content! T'es grave content, ça se voit! C'est surtout pour les papiers! Tant que Capitaine Espidi, je suis fier de vous. Non mais moi je suis pas fier de moi. Mais non, on est fier de toi, t'inquiète. C'est rien, Aaron Gangstein l'a fait. On est fier de toi. Zuckery l'a fait. Tu vas te marier maintenant. Je suis trop fier. Félicitations.
T'es grand 58. T'es un beau gosse. Bravo, t'as vraiment pas 58. Bravo, mon champion. Tu veux 25 000 dollars. Oui, capitaine. Vous avez la bague. 25 000, la vie de ma mère. La bague, vous l'avez. Ouais, c'est là, ouais. Pédophile. On va s'arranger. Attends, je vais la chercher vite fait. C'est bon, j'ai la bague. Je suis pas fier de moi. Bravo, mon champion. Il arrive. Bravo, mon champion. Tiens, beau gosse. On attaque en point depuis 12. On a pensé à tout. La petite bague et tout. Voilà, ça bien. Mets-toi bien. Je vais faire un petit discours quand même. Vous savoir, mon choupinet, il est tellement important pour moi. En plus, c'est un policier, ça veut dire qu'il va pouvoir assurer mes sécurités. Ah ouais, ton choupinet. Oh, choupinet. Premier comment tu dis. En plus, l'audio, je vous attends. Il m'a rappelé choupinet. Ah ouais. Choupinet, choupinet. C'est une déclaration d'amour. Tu parles comme si t'avais 16 piges, je te jure. Peut t'appeler mon enfant aussi, hein. 58, t'as quel âge? Ah ouais, c'est l'équation double inconnue ou quoi? Parce qu'il s'est remarié avec un mineur, vous savez, on peut se marier. Mais oui, c'est pas la première fois que c'est ça. Je lui ai demandé 1 000 $, il me donnait pas. Pada, c'est pour avoir acheté notre appartement, on va pouvoir emménager ensemble. Oh, c'est trop mignon. Trop mignon, chacun une cellule en prison. La chance. Dans 30 secondes, elle lui dit qu'il est enceinte. Oui, ça, je sais pas le dire tout de suite. T'as fait un test ou pas? Ce qui paraît, c'est des jumeaux. Ça, c'est pas moi, ça. Oh, le prêtre. Le prêtre. Le prêtre. Le prêtre. Désolé, la Sainte Marie m'a appelé au trône sacré. Allons, on s'assoit, arrêtez d'applaudir. Allons, on s'assoit un peu là. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici aujourd'hui réunis, Olena Smith et Lewis Anderson, parce que vous avez écouté la parole de Dieu qui a réveillé aux hommes le sens de l'amour et du mariage. Vous allez nous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement sans contrer? Oui. Oui. Hein? Oui, oui. Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie? Je vais essayer. Non. Quoi? Oui. Comment ça, non? Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Très bien. Non. Surtout de parents. Devant tous ceux qui sont ici en présence de Dieu, échangez vos consentements. tu dois le complimenter de fou et tout. Il est beau gosse et tout. C'est beau, choupinet, c'est vrai. Super fort. Et j'espère que tu verras, on va vivre un beau vie tous les deux dans ces vraies longues vies heureuses, plein d'amour et plein de beaux choses. On va voyager, on va aller partout. Tu vas venir voir l'Ukraine, c'est beau, dans ces vrais. Oui. Tu vas laver des pare-brises, c'est incroyable. À toi, 58, fais des compliments. 58. Moi, Olena Smith. Vas-y. Allez, Lewis. Moi, Lewis Anderson. Je te reçois, Olena Smith. Je te reçois, Olena Smith. Comme époux, et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves. Ouais, dans les UC surtout. Sois content. Sois content, tu vas vivre la puberté avec elle. Ce mariage n'est pas possible. Comme époux. Comment ça? La tête de la Sainte Marie, si tu dis non, t'es un bâtard. Ok, d'accord. Ok, bon, je répète, allez-y, continuez. Moi, c'était quoi ton nom déjà? Lewis Anderson. Moi, Lewis Anderson. Trop fort. Je te reçois, Olena Smith. Je te reçois, Olena Smith. Comme époux, et je te promets de rester fidèle. Comme époux, et je te promets d'être fidèle. Dans le bonheur et dans les épreuves. Dans le bonheur et les épreuves. Dans la santé et dans la maladie. Allez, vas-y, tu peux le faire. Allez. La santé et la maladie. Pour t'aimer les jours de ma vie. Pour t'aimer tous les jours de ma vie. Plus fort maintenant, regarde toute la salle. Chaque personne dans les yeux. Oui. Coucou. Oui. Quoi, faut jurer devant tout le monde. Je te jure, mon choupinet. Je te jure, Léna. Moi, choupinette. On vous jurait fidélité
et de prendre soin l'un l'autre tous les jours de votre vie. Toujours mon choupinette, toujours la fidélité et de prendre soin de toi tous les jours de ma vie. Ouais, moi de même. Tu dois distribuer les alliances dans la salle, c'est maintenant. C'est mon frère. Allez-y, je vois, je vois, je vois. Vous allez à présent, Olena Smith, recevoir l'anneau sacré qui lira avec votre époux les liens de la fidélité et du mariage. Devant cette assemblée, le mercredi 8 décembre 2021, je déclare Olena Smith et Lewis Anderson mari et femme. Oh, bien joué, ça compte, t'es un bon. Oh, t'es un bon, t'es un bon, t'es un bon. T'es un bon. Je propose une danse unique pour entre les mariés. Je propose une danse unique pour entre les mariés. Putain, lâche un freestyle, ça coûte 8. Non, ça je vais lâcher un freestyle. Il est trop chaud. Allez, oh, Dieu. En prison maintenant. Station pour dérèglement. Et je voulais faire des silences. En prison. Tout ce que vous direz pour être justement retenu contre vous devant une cour de justice. Arrêtez-le. Et on va faire la photo devant l'église. J'espère que vous avez la photo. Une photo devant l'église. Le discours. Détournement de mineur. Papa aurait été là. J'aurais ramené le meilleur photographe de toute l'année. Salam alaikum tout le monde. Qui est plus que ça. Oh non, je me disais que c'était trop moi, calme. Excusez-moi, je prends. Attendez, hop là. Hop là, je me cale ici. Voilà. Nickel. Comment tu vas, papa? Ça va? On fait les deuxième photo. Papa, tu vas bien? Allez, deuxième photo. C'est ok. Allez, 10. 10. 10. 2. 1. C'est un fuck. Ah ouais, c'était un fuck, putain. C'est bon, c'était une blague, c'était une blague, c'est un twist, c'est une blague. What? 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 Allez, allez, allez. Ah, t'as eu peur, hein. T'as eu peur, hein. T'as eu peur, hein. T'as eu peur, hein. On peut dire qu'il a eu peur sur son Matrix. Ça va poser. Bien, bien, Junior. Joël, vas-y, bon courage. Putain, sacré prank, sa mère, hein. Ah, c'était bien. Vas-y, on va aller bibi. Vas-y. Mais bon, le mariage c'est cool, mais bon. Le business c'est la rue, t'as capté? On ne remplit pas le frigo, quoi. T'as pas vu une petite meuf qui te regardait pendant le mariage, hein, ou quoi? Non, non. Mais non, elle te lâchait pas du sgeg, je te jure. Ouais, ouais, je sais, j'ai vu. Ouais. Elle pue des pieds. Un petit peu, ouais. Un petit toi aussi. Ah, wow. Ouais, on va la vendre ou tu l'as déjà consommée? Non, il y avait du fou. Mimid. Ouais. Viens radio, on a la place, on va bibi avec Junior. Vas-y. 69. Et du coup, attends, j'ai pas compris. 58, il va la baiser ou pas? J'espère pas. Putain, tout ça pour rien. Chaud. Ah ouais. Putain, boy. Tu me voles mes Yankees. Je crois, c'est toi, tu me voles, non? Non, ça va ou quoi? Tranquillement, et toi, bébé? Ah, tu vas te faire soulever ici, hein, si tu restes. On parle de qui? Bah, les Japonais, ils vont te baiser. Mais non, j'ai un accord avec eux, t'inquiète. Ah ouais, t'as payé combien? 2500. Pour combien? Pour 24 heures. Ah ouais, ils te l'ont mis à l'envers, hein. Oh non, les 2500, il y a 10 gars qui travaillent pour moi. Ah bah ça va alors. Je veux dire qu'ils sont rentables. Ouais, j'avoue, vu comme ça c'est bon. Attends, t'es quoi toi? T'appelles comment? Lotaro. Et toi? Ah, moi c'est Joe, hein.
Enchanté, Joey. T'es un vagos? Oh non, non. Aztecas. Quoi? Aztecas? Si, si, si. Ça vient d'où comme ça? Honduras, Mexique. Ah, y'a mon boy là. Oh, c'est débordeur. Y'a mon boy Junior, il m'a dit en 1v1, il baise. Non, non, j'ai pas le temps, moi, pour la bagarre. Quoi? T'as pas le temps pour la bagarre? Bah, t'as le temps. Un mec de la rue ou pas? Ça, allez boy, allez boy, viens ici. Arrête. Ouais, wow, toi t'es un petit, t'es un 21, t'es un quoi? T'as combien d'atouts? Ah, je suis le réfé à Stekas. Ah, t'es le réfé? T'es un réfé? Oh ouais, oh, excusez-nous. Ils sont bons disgags en tout cas. Tranquille, hein. Tranquille, derrière. Ouais, t'as un beau petit cul en vrai pour un réfé. Hein, ouais, c'est vrai, je l'entretiens en salle. Y'a moyen de retirer ton débardeur? Non. Et toi tes lunettes? Allez, retire ton débardeur. Non, arrête. Lui c'est génial. Arrête, je vais partir avec toi. Retire ton débardeur, retire ton débardeur. Tiens, regarde. Je suis jaloux là. Puissance. T'as mis quoi là? Regarde, on est frais. Putain, attendez, t'as tout tatoué là. T'as plus rien laissé au magasin là. Oh ouais. C'est, je suis rentable, je suis un mec rentable. Ouais, t'es Spider-Man en fait là, toile d'araignée et tout. C'est stylé. J'aime bien. Ouais, t'as des gros poils hein. Eh, on tu vendais quoi là? Le taureau. On vend tout. Sérieux? On va te faire du bise alors. Toi, tu vends quoi? Moi, je vends de l'extra. Incroyable. Ouais, mais bon, t'as capté. Je suis en bail avec des Russes. T'as capté? Connexion capté, j'ai capté. Direct avec le Kremlin. Boum, Poutine au téléphone. Hein? Incroyable. Poutine en personne. Ouais, en personne, ouais. Attends, Poutine, je parle du truc qu'on mange, hein, pas du président. T'as capté? La Poutine. Ouais, je vois. Ah ouais, t'es fou quoi? Pas Poutine, non. Pas Vladimir, non. Vladimir, c'est mon petit Vlad. Vas-y. Vlad, ouais, tu l'appelles le petit Vlad. Bah ouais. Hey, taureau, on se capte, hein. Vas-y, les gars. Vas-y, boy. Ouais, force à toi aussi, vas-y. Bon courage. Putain, c'est un tacos. Il a dit ça plus au tacos. Oh, Aztecas, je sais pas quoi. T'as de quoi bibi ou quoi? Ouais, on y va. Bonsoir à tous, prise de service, voilà, c'est-à-dire. Attends, mais c'est qui là? Bah, c'est Tobias. C'est qui ça? Mais si, t'avais vu la dernière fois, José. Joey. Ouais, voilà. Bah, je me rappelle pas. Ça va, Joey, ça va, Johnson? Ouais, ça va, mais tu ressembles à quoi? Concrètement, quoi, concrètement. Hier, Oui, Seigneur, pardon, excuse-moi, Seigneur. Alors, moi, c'est un type affreux, afro-américain. Ouais. Voilà, des lunettes. Des quoi? Un barbe. Ouais. Après, je me vois pas, donc Hamid, tu laisses me décrire. Vieille personne de 42 ans. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est le tonton que t'avais ramené la dernière fois, là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, je vois. Celui qui pue de la gueule. Ouais, c'est bon, je vois. Pas que de la gueule. Attends. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. C'est pas lui, c'est un ancien flic ou quoi, une pouquée? Ah, oui, c'est ça, c'est clairement... Ouais, c'est bon, je vois qui t'es, ouais. Alors, non, ça c'est la partie B de l'histoire. Non, ça c'était avant. Bah, j'ai changé, j'ai plus la bouquille et tout ça. Ah d'accord, ok. Vas-y, c'est une vie alors, bouquille. Ah non. Eh, on va à Vinewood, on va aller vendre là-bas. Venez tous à Vinewood. On va aller bibi. On va vendre de la drogue? Ouais, de la drogue, ouais. De la bonne drogue. Junior. T'as renseigné là? Ouais, attends, je remets mon t-shirt. T'as les tétons qui pointent, on est d'accord? Ouais, non, je remets mon t-shirt. Ok, fais gaffe, je vais te les lécher sinon. Remets. Eh les boys, ça vous dit, je vous emmène chez moi à la maison, au casino, tout en haut. Ah oui? Ouais, comme ça on se baise et tout. C'est toi? On fait une soirée de fou. On fait la soirée de quoi? De Uno. Ah, de Uno, c'est pas mal. On se la met, on se baise. Quoi? Chacun son tour. Moi j'ai rien contre, mais bon, enfin, bref. C'est pas mon délire. Si bien, on y va. Vas-y, bah go alors, on y va. Putain, on va se la mettre lourd. Moi je regarde, je filme si vous voulez. C'est toi, Marzouk, qui va te faire soulever. Allez, venez au casino, venez. C'est le flic. Ok, je te vois. Attends, ils sont où les flics? Ils arrivent. Ah ouais, tu sais quoi, on aime bien le risque nous, on aime bien le risque, on aime bien. Ah c'est un poursuite? Il faisait une poursuite. Oh. On est là. Oh là là, vous êtes des fous. Tu passes une supérette avec cette voiture, ça passe ou pas? Eh ben elle est cool, c'est la Noël. Elle est bien hein. Elle est bien en vrai. Ouais, elle est bien. C'est vas-y, des bons goûts, alors. Vas-y Junior, vas-y. Vas-y, bouffe-le cul. Bouffe-le. Hein, le qui? Ouais, le cul. Le qui? Mais le qui à qui? La peau. C'est... Ah! C'est bon? C'est bien. Oh, c'est le Père Noël? Ouais. Oh. Vous êtes... Moi, je suis noir. J'ai un Père Noël noir. Non, je vais... Enfin, c'est torse nu, j'allais dire. Oh. Ah oui, il est fatigué, le Père Noël, mais ouais, il a un peu mal à la gorge, t'as capté. Ah oui. C'est bon ou pas? Père Noël, dis-moi. Ouais, il gagne là. Ouais. C'est possible de me donner 1000 dollars? Ouais. Bien sûr, c'est possible. Ah oui, c'est... Ah
C'est bon, ça te va ou pas? C'est bon ou pas? C'est très bien, ouais. Joyeux Noël. Bien évidemment. Le turn comme ça, c'est rapide. C'est carré. C'est bon, t'as pris combien? 260 balles. Putain, on est bien là. Ah ouais, tu es flippé. Ça t'excite pas? Ah, clairement. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je l'ai acheté. Inch'Allah, il a voulu mettre là. Au début, je l'avais pas acheté pour faire des braquages. Hein. Ah ouais? Je voulais te braquer le cul. Quoi? Eh ouais, mon pote, tu vois. Découvert, pas besoin de ça. Non, j'aime bien, c'est excitant. Attention, on va voler. On va sûrement voler. Wow! Wow! Allez, Junior, la même chose ici. C'est parti! Go, go, yeah go! C'est quoi qui explose là devant? C'est l'alarme. Je sais pas, déconner l'alarme. Ouais, mais là il a plus peur. Et là il a plus peur. Ah, viens, on bouge. Junior, porte-toi bien, c'est bien, on bouge. Porte-le, allez, bon courage! Porte-le! Ah! Oh c'est la voiture! Ah, mais c'est ma voiture! Eh, boy, je pense que c'est des Arabes qui ont fait ça. J'ai entendu en arabe, boum! Comment ça en arabe? Ah, je sais pas, ils sont passés comme ça en arabe. Ah, viens! Oh putain! Les gens qui ont crié en arabe? Ouais, ils ont clairement revendiqué leur truc. J'ai pas eu le temps de voir leur passeport, mais bon, je pense que c'est des Arabes. C'était des Arabes cagoulés, c'est ça? Ouais, apparemment, cagoulés. Et c'est pour ça que ça a crié l'Akhtar. Ouais. Parlez à l'église aussi, C'est un certain Lagdar qui cherchait. Ça a fait boum. Oula. Voilà. La même chose, les boys, allez go. Et la même chose sans le boum, Inch'Allah. Ouais, sans le boum. Ah, on y va. Ho, ho, ho. Allez. C'est le Père Noël. Vous allez bien, madame? Voilà. Donnez le catalogue là-bas. Besoin de quelque chose? Regardez votre voiture. Bah oui, donnez catalogue là-bas aussi. Avec le mec Torsioni là-bas. Ouais. Ah ouais, venez, dites-moi. Vous avez besoin de quelque chose, dites-moi. Bah oui, je voudrais aussi le distributeur qui est à l'intérieur. Ah, distributeur d'argent? Oui. T'as besoin de combien, dis-moi? Bah t'as eu l'argent. 2200. Ouais, génial. 200 dollars, c'est pour payer une facture. Va au distributeur, va. Va. Vous savez que j'ai pas été très sympa cette année. Ouais, c'est vrai. Eh, c'est vrai que t'as pas été gentil cette année. J'ai toute la liste. Ah ouais, quand même. Ouais, non, vous inquiétez pas, c'est rien. Écoutez, monsieur, j'ai mes règles et je suis en train de porter une culotte de... hein de règles. Quoi? Ça existe, une culotte de règles? Oui. Comment c'est quoi ça? Genre, ça te coûte pas? Ouais, c'est ça, exactement. Vas-y, je te l'achète. C'est quelle règle? Vous avez des règles... 2200 dollars. Vas-y, bah... Oh, c'est bon, tranquille, vas-y, garde-la. Vous avez imposé des nouvelles règles, j'ai pas compris. Non, dis, elle a ses règles, elle a une culotte pour ses règles. C'est quoi ça? Comme ça, je peux faire... Bref, c'est bizarre de... Par contre, j'ai vu, j'ai fait beaucoup de bêtises cette année, hein. Multiple tromperies, gangbang à tout va, c'est chaud. C'est vraiment chaud, mon enfant. J'ai passé une année difficile. Oh oui, y a pas que vous, hein. Vos sinus aussi. Ah. Pas mieux, du coup, vous êtes calmé. Ouais, carrément. Vous avez trouvé l'âme sœur? Carrément. Bon, ça va, alors. Vous avez trouvé l'hamster? Fiancé. L'hamster, ouais. Purée, qui est le malheureux élu? Voilà. C'est bien le cas de le dire. Ah, ouais. Putain, c'est chaud. Vas-y, courage alors. En effet. Bon, je vous laisse. Bien sûr, allez-y, je vous en prie, mon enfant. Une agréable soirée. Passez également, vous aussi. Voilà. C'est bon ou pas? Voilà. Attends, mais c'est bon ou pas? Ouais, il a. Ouais, t'as gagné. Allez, boum, on sort. Mehmed! Ouais, Hamid! Al-Hanout! Mais dis-le où? Attends, dis quoi? Dis pas que tu fais embarquer! Non, j'ai trouvé deux meufs. Quoi? T'es où? Deux meufs, 24-7, deux meufs. Oh, on arrive, c'est bon, on arrive. Attends, c'est des chiennes ou pas? Enlève les max. Elle mentit, on est des putains. On des putes? Ouais. C'est bon, on arrive, on est chaud. Allez, les mecs, tenez-vous, hein. Tenez-vous bien, Caro, ok? On parle bien aux meufs, ok? C'est bon, on les respecte, hein? Okay. Non, on respecte les meufs, d'accord. Humide, ouais. Hey, dis-moi, c'est des putes ou des salopes? On respecte les meufs. On respecte les meufs. Ah ouais. Donc, mais on les respecte. J'ai sorti mon taxi. Oh le bâtard. Moi j'ai ma caisse, t'inquiète. Allez. Ah flingue-moi, descends-moi. Flingue-moi. Ouais, c'est le Père Noël, t'as capté. C'est quoi? C'est pas le Père Noël de ce matin, je suis déçu, c'était pas le même. Ah ouais. C'est un imposteur, c'est sûr. C'est un imposteur, celui-là. Mon enfant Mimite, comment vas-tu? Comment vas-tu, Père Noël? Alors, elles sont où les putes, enfin les meufs? Derrière, là-bas, okay. Là-bas. Ah ouais, elles sont bien. Waouh! Elles sont mesdames, bien. Vous avez demandé un taxi? Alors, pas forcément un taxi. Bonsoir. Vous avez demandé un fake taxi? On n'irait pas travailler, zombie.
Ouais, ah, génial. Attends, du coup, mais c'est quoi le bail? J'avais pas vu que tu m'avais envoyé un message. C'est deux femmes là. Ouais. Vous nous m'avez dit quoi? Attends, écoute, en fait, nous sortons d'une communauté amiche et nous sommes deux petites pucelles à la recherche de sensations fortes. Et c'est vrai que ce soir, c'est notre soir de liberté. Et écoutez, allez, viens, on va à l'unicorne. Allez, on va à l'unicorne. Ah, je te dégomme. Prenez mon taxi, Père Noël. Ah, je vais la dégommer. Non, non, j'ai ma voiture spéciale, t'inquiète. Bon, moi, je vous suis. Ma voiture spéciale pucelle en plus. Vas-y, monte. Monte. Ouais, je vais la flinguer. Eh, mais mec, tes mains sont boules. Je crois que je vais attraper froid à la culotte. Ah ouais. Vous avez une culotte en plus. Putain, ça sert à rien. Oui, ben, vous savez, il faut quand même se couvrir un minimum. Ouais, c'est vrai, vu comme ça. Ça sent bon. Ça sent là où Lilo verra. Je me suis crémé et parfumé, effectivement. Ah ouais. Ah ouais. J'aime avoir la peau douce. Ah, je vais te flinguer. Comme toi, hein, parle bien. Pardon. Parle bien aux femmes, c'est pas des putes. Non, pardon. Allez-y, madame, vous pouvez sortir. Attendez, je vais ouvrir. Ah, t'inquiète. Je vais parler au videur, bougez pas. Oh, attendez. Le videur, il va vous fouiller, tranquille. Rien de contendant, rien de bizarre. Papa Noël. Non, rien de bizarre. Ok, alors on y va. Charmes Bedel. Ah, Marzouk. Oh, tenez la porte, soyez galants un peu. C'est marrant, ça sent le sperme. Ouais, et pas putain, que. Non, ouais, faut pas regarder par là-bas. Oh, c'est bon. Ouh, mais c'est coquine, ouf. Allez-y, posez-vous, je vais ramener à boire, manger. Allez-y, posez-vous. Allez vous regarder là-bas, moi, je vais pas. Regarder. Attends, mais c'est l'avocat, lui. Ah oui, c'est Aram. Hein. C'est ici qu'on danse. Attention, la meuf là-bas, allez-y. Posez-vous là-bas. Vous voulez boire quelque chose? Écoutez, un petit whisky, moi je. Un petit whisky, madame. On va bien un double, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Non, Non, dis-moi ce que j'ai connu, n'est pas, non. Juste ça tire à balles réelles, quoi, sur les noirs, c'est ça? Non, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais fait. Bon, ça va alors, mais c'est quoi qui t'amène ici ce soir, là? Tu veux baiser ou tu veux quoi? C'est quoi ton truc? Non, moi, je voulais juste boire de l'alcool, c'est tout. Oh, tranquille, il y a une occasion spéciale ou pas? C'était pour fêter notre, comme l'a dit Whitey, soirée de liberté accordée par mes parents Amish. Bah, c'est quoi les Amish? Explique-moi, je connais pas. C'est une communauté un peu sectaire, qui vit selon l'ancien temps. Nous n'avons ni électricité, quoi, ni téléphone, ni télévision, ni voiture motorisée. Excuse-moi, Jouet, mais là, c'est l'heure du halib. Allez, venez. C'est chaud. Attends, me parle des Amish et tout, c'est chaud. Ils ont même pas d'électricité ou quoi? Non, pas du tout. Ah, donc, on va vous ramener chez nous. Netflix, c'est mort, alors. Arrête, nous avons des chevaux, nous avons des bougies pour nous éclairer. Oui. Madame Blue. Oui. Ouais, c'est chaud. Alors, vous voulez faire quoi? Attendez, madame, tenez votre petit whisky. Bouge, l'avocat, bouge. Je n'ai jamais bu d'alcool de toute ma vie. Alors sérieux? Oui, ça c'est la toute première fois. Madame, je peux vous donner un conseil ou pas? Oui, dites-moi. Ça va, madame? Ouais, faites attention. Il y a des gens ici, ils vont essayer d'abuser de vous. Oui, d'accord, je vais faire attention. Je vous remercie, monsieur Noël. C'est mimi et tout, mais bon, faites attention. Oui. Non, je ne veux pas qu'il m'arrive de soucis. Ouais. Et je vais goûter. Vous avez quel âge, madame Blue et madame White? Moi, 21 ans, et pareil pour Blue, 21 ans. Ah ouais. Appelle Blue. C'est White, hein, c'est ça? Oui, on appelle White. Vous êtes parti au casino ou pas, mesdames? Jamais le casino. Ça vous dirait? Nous n'avons pas d'argent, monsieur. Tranquille, nous, on a de l'argent. Allez, lève les mains, je te soulève. Écoutez, soulevez-moi, je vous en prie. Et sur White? Et on y va. Attends, c'est devenu un sac à main ou quoi? Ouais, tu es chaud. Ouais, j'ai vu. Putain, je savais pas qu'elle était chaud comme ça en vrai, Junior. Avec, hein. Est-ce que c'est ce qui s'appelle se faire péter la tocha? Non. Pardon, il y aura pas assez de place pour tout le monde là, je crois. Tu ne pourrais pas marcher par toi-même. Quoi? Mais jamais de la vie. Madame, allez, on monte à deux dans le coin. Vous allez truquer? Attendez, les mecs, je vous ai dit, putain, pourquoi vous parlez comme des chiens à ces demoiselles? Mais c'est parce qu'elles ont faim. Non, elles ont pas faim, c'est des amis. C'est Marzouk qui l'a montré son sexe. Quoi? Marzouk qui a montré son sexe. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un fou. Non. Ah, même moi je fais pas ça. Mais moi je fais pas ça. Putain, t'arrives quoi? Voilà, Marzouk il a montré son sexe. Non, regarde, elles ont peur et tout. On passe pour des mecs chelous. Venez, on fait les gentlemen. Mais c'est pas toi, Kader, je les ai appelés, t'as dit ouais, allô, pétasse. Ouais, mais pas devant elle, t'as capté. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Gentlemen. Ouais, habillez-vous bien. En mode comme ça, en mode beau gosse, t'as capté. Comme ça. Eh ouais. Mais attends, mais c'est plus toi là.
Ah ouais, si, c'est moi, regarde, c'est moi, c'est Joey. Mais ah oui, ça change tout. Bah ouais, c'est Joey, t'as capté. Ah oui, Joey V2. Ah, faut pas leur faire peur, là. Regarde, elles sont peur, elles viennent de la campagne et tout, avec des vaches, putain. Ouais. Ah, c'est bon, y'a un taxi. Montez avec le taxi. Ah, il y a un taxi. Vous avez un peu peur ou comment ça se passe? C'est moi, ouais. Ma sœur, Blue, effectivement, est effrayée car un de vos amis a montré son sexe. Ouais, on est désolé pour lui. Je suis désolé, c'est Marzouk. C'est Marzouk. Vraiment, vraiment désolé. Hein. On est désolé. Nous sommes pas habitués à ce genre de comportement. Ouais, ouais c'est Marzouk. Non. Marzouk, voyons. Ouais, Marzouk. Je suis désolé, ça se reproduira. Eh, Madame Blue, c'est quoi? Viens, viens avec moi. On va discuter pendant le trajet. Pas laisser seule ma sœur. Allez-y, allez-y, pour monter alors. Vous avez un petit prénom ou pas? Alors, ma sœur s'appelle Blue et moi, Whitey. Ok, c'est vos prénoms alors? Oui, tout à fait. Ça marche alors. Et du coup, vous n'avez pas de frères ou quoi? Vous êtes venus toutes seules? Nous avons des frères, mais ils sont restés avec les parents. Ouais. Nous seuls, les filles sommes sorties, oui. Ok, ok. Bon, maintenant, imaginons que, genre, vos frères, ils apprennent que vous êtes là, il se passe quoi, genre? Ah bah là, c'est la mort assurée, vous voyez, là, la mort du décès, là, c'est... Oui. Non, c'est pas la mort. Je vous disais, nous avons le droit de sortir une fois dans notre vie, de notre communauté, pour voir si le monde du diable nous attire. Et nous sommes censés rentrer à partir d'une certaine heure, effectivement. Ah ouais, le monde du diable et tout, carrément. Oui, c'est comme ça que nous appelons la communauté extérieure. Genre, chez vous, c'est le paradis, c'est ça? C'est en tout cas une communauté saine, où nous avons de bonnes valeurs, où nous travaillons avec un dur labeur. Ah ouais, ok, ok. Mais du coup, c'est quoi qui vous a poussé à venir voir le diable? C'est la tentation, c'est quoi? C'est autorisé par la communauté, nous avons décidé de la prendre. Ah ouais, genre une fois dans votre vie ou quoi? C'est ça, exactement. C'est où nous restons, où nous rentrons. Ah ouais, donc en fonction de ce qui va se passer ce soir, soit vous restez ici, soit vous repartez chez vous. Exactement. Ah d'accord, et c'est quoi qui va faire la différence, genre? Écoutez, ça dépend ce qu'on découvre ce soir, si cela nous plaît, ou si nous ne sommes pas d'accord avec, avec cette vie. Moi, je vous dis en vérité, les mecs avec moi, c'est un peu des chiens de la caste, t'as capté? Ils veulent juste baiser, tu vois? Oula, non, ça par contre... Ouais, on est arrivé, madame. Ah, c'est pour ça, je vous dis, faites attention sur qui vous tombez, t'as capté? Là, c'est bon, c'est Joey, vous avez de la chance. D'ailleurs, mon prénom, c'est Joey. Enchanté. Ben, enchanté, monsieur Joey, merci de nous avoir sorti de cet embarras. Ouais, tranquille. Bon, là, t'as capté, c'est le casino. Et là, on joue du jeu. Vous connaissez un peu ou pas? Non, nous n'avons jamais joué au jeu d'argent. Ah, venez alors. De la roue, des paris, du poker. Quoi? Vous jouez à quoi, vous, les amis, quand vous avez rien à foutre? Nous avons les jeux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les jeux avec des petits os que nous lançons en l'air et nous vont attraper un maximum de ce qui reste sur le sol avant que tout se retombe. Excusez-moi, j'arrive. Bien sûr, allez-y. Oui. Ah ouais, c'est bizarre comme jeu en vrai. Oui, c'est le jeu de l'Osley, ça s'appelle. Ah ouais, ok, ok, ça marche. C'est ça avec les animaux que nous chassons pour nous nourrir. D'habitude, vous habillez comme ça, les amis? Pas du tout. Non. Non, nous avons des robes longues, des manches longues, des chapeaux de paille. Ah ouais, genre Charlene Gals, tout ça. Je peux vous regarder jouer, cela dit, vous encourager, mais... Genre, tu peux pas jouer, là? Ah non, je lui ai donné ça, jeton, pour tourner la voile. Je n'oserais pas. Bizarrement, j'arrive pas à vous les donner. Hein. Genre, le poker, tu peux jouer? Les machines à sous, tu peux jouer? C'est quoi, le poker? Bah viens, alors, on va jouer au poker. Alors, tu connais les règles? Pas du tout, vous allez m'apprendre. Ah ouais, c'est chaud. Pourtant, oh là, c'est chaud d'apprendre le poker. C'est compliqué? Ouais, y'a paire, double paire, quinte, quinte flush, carré, full house, brelan, hauteur. Oula, oui, effectivement, ça fait un paquet de... Ouais, faut aller à l'instinct, en vérité. Hein. Oui, je me doute, je me doute. Et comment ça marche, la quinte, par exemple? Qu'est-ce donc? La quinte, genre, c'est une suite. Genre, 1, 2, 3, 4, 5. Faut 5 cartes pareilles? Ouais, c'est 5 cartes qui se suivent, t'as capté. D'accord, d'accord. 5 cartes pareilles. La paire, je suppose que c'est 2. Le brelan, c'est quoi? C'est 3. D'accord, donc suite, quinte, brelan, carré, carré, c'est 4 cartes. Il y a la quinte flush royale, c'est la suite royale, genre la même couleur. Putain, c'est chaud en vrai. Mais bon, je pense que t'es intelligente comme fille, non? Je pense que je peux me débrouiller si j'arrive à me réfléchir un petit peu. Oui, oui, oui. Vas-y, attends, je te passe des jetons du coup. Ouais, genre, allez, 2000 de cave, c'est bon. Ah, superbe, d'accord. Donc je mets 2000 là directement. C'est ça, tu mets 2000, boum! D'accord, boum. Alors je pose tout. Ouais, ça va ou quoi, boy? Vas-y, passe les cartes, s'il te plaît. Regarde pas trop mes cartes, hein, triche pas. Ah non, 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 ah non, ben non. Du coup, t'as une religion, t'as quoi? Oui, 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 ben vous savez, les Amish en soi est une religion, une façon de vivre. Donc nous sommes chrétiens pour la plupart. Jure? Oui, oui, oui. Putain, c'est lourd. C'est un style de vie que peu de personnes peuvent comprendre peut-être, mais en tout cas... Bon. Genre pour le mariage et tout, genre vous pouvez marier avec qui vous voulez ou bien... Ah non, ce sont les hommes qui choisissent et nous pouvons nous marier à l'âge de 13 ans. Quoi? Ah oui. Wow, c'est chaud.
C'est à toi de jouer. D'accord, c'est à moi de... Alors, je vais faire parole. Ouais, tu check, ouais, c'est bien. D'accord. Bah vas-y, moi aussi, je check, du coup. Bah, je vais reparole, alors. Ok. Vas-y, alors, du coup, bah moi, reparole, alors. Alors là, je vois qu'il y a une paire, ça veut dire que on a gagné ? Non, non, là, c'est une paire floppée, on dit ça, tu vois. Ah, d'accord. Mais si t'as un 9, par exemple, là, tu fais un brelan, t'as capté. Ah oui, mais j'ai pas de 9. Ah ouais. J'ai un valet et une reine. Ah, c'est mort. Bah, du coup, je parole, alors. Putain. Bah, du coup, bah moi aussi, je check. Hein. Normalement, je gagne à la hauteur, vu que j'ai un roi. Ouh. Après, tu peux miser. Non, je vais peut-être, bah, du coup, laisser jouer. Et si vous avez gagné, je suis contente pour vous. Ouais, j'ai gagné à la hauteur. Que j'ai un roi, c'est plus fort que ta dame, t'as capté? D'accord, d'accord. Ah oui, ah d'accord, d'accord. Donc, bah là, c'est pour que... du beurre, t'as capté ou pas? Allez, ben c'est parti. Vas-y, alors là, on joue pour de bon. D'accord, d'accord. Je vais essayer de faire ça bien. Ben, merci de prendre, en tout cas, c'est très gentil de votre part. Hein. Ouais, je t'en prie, on est là. Ben, c'est ma sœur, cela dit, je la vois pas. Je sais pas, elle est restée à l'accueil, je crois. Je pense qu'elle elle a un petit peu peur de comment pourrait terminer la soirée. Ah ouais, mais faut déjà la commencer pour qu'elle se termine, t'as capté? Allez, je mise un petit peu. Soyons joueurs. Bon, ben je suis, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'avais quelque chose? J'avais un roi. Ok, ok, bon, ça va, j'avais un as à la fin. Oh, ben dis-donc. Ouais, c'est vrai que je suis un peu riche, là, du coup. Putain, je suis bien. C'est vrai, c'est l'argent, oui. Nous n'avons pas d'argent, nous, alors c'est un petit peu compliqué. Quoi? Vous avez quoi? On marche par le troc. Le troc? Genre, vous échangez des trucs et tout? Oui, voilà, des œufs contre des poires, des crayons contre un bouquin. Genre, quand tu te maries, il y a une dot ou pas? Non, mais l'homme a le droit de choisir plusieurs femmes. Quoi? Oui. Oh, ouais, ça a marché et tout. Ah, bah écoutez, c'est comme ça. Hein, que... Allez, je relance. Oui, bah écoutez, je vais vous suivre. Oh, jure. C'est comme ça qu'on fait? Vas-y, je vais payer pour voir tes cartes. Je pense que t'es un petit roi ou quoi. Putain, j'en étais sûr. Vous avez quoi alors? Moi, j'avais une belle main, mais rien du tout. Oui. Ah, c'est dommage, rien dans le... Comment qu'on appelle ça, la banque? Le flop. Flop, d'accord. Le flop. C'est des mots bien compliqués, hein. Attends, le flop, la turn, la river. Turn, la river. Oula, ouais. Vous parlez un dialecte que je ne comprends pas. Ouais, tranquille, tranquille, t'apprendras. Vas-y, viens, on se barre. Je sais pas, genre, tu vends des trucs ou pas? Les amis, je vous avais de la weed, quelque chose? Non, non, pas du tout. Ah ouais, mais attends, vous vivez de quoi, alors? Ben de... Le seul chanvre que nous faisons pousser, c'est pour nos vêtements. Quoi? Vous ne fumez même pas? Non, et c'est pour faire du textile. Ouais, mais vous êtes bizarre en vrai.